Les enfants, allez, c'est l'heure, on rentre en classe. Allez, allez, on se dépêche. On se dépêche, les enfants. Allez, allez, plus vite. Allez, allez, on s'installe. Allez, pas d'insolence, hein. Pas d'insolence. Allez, on s'installe. Léo, je crois que tu m'as dit combien d'échanges. Les enfants. Les enfants. Soyez un petit peu attentifs. Non, mais quand même. Bon, aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante. Nous avons la visite de l'inspecteur d'académie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un inspecteur d'académie? Fabini, oui. Bon, Swan. C'est un détective? Non, c'est pas du tout un détective. L'inspecteur d'académie vient inspecter l'école, la classe et plus précisément mon travail. Attends. Et dis-moi, c'est quelqu'un qui vient s'assurer que tout se passe bien, que l'enseignement est conforme à ce que nous demande l'académie, qui vérifie. C'est quoi tout? Je parle. Possible cet enfant. L'inspecteur va vérifier que tout se passe bien dans la classe, que je vous enseigne correctement ma matière. Un peu d'attention. Donc il va vérifier que tout se passe bien, que vous vous tenez bien, que vous écoutez bien, et surtout que mon enseignement est conforme à ce qu'attend l'académie. Pourriez-vous m'écouter 2 minutes? 2 hours later. Tenez-vous droit, enfin. Vous n'êtes pas bossu. Qu'est-ce que c'est que tous ces dessins dans votre agenda? Vous m'effacez tout ça. Monsieur Swag, non, on ne dessine pas dans son agenda et regardez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette tignasse? Vous n'êtes même pas coiffé correctement. Allons, allons. Et allons, vous n'avez même pas fermé votre polo. Un peu de tenue, monsieur Swag. Oui, oui, bien sûr. Faites bien le malin. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers du jour, les enfants. Swan, ton cahier est ici. Allez. Vous prenez également le livre, page 71. Néo, ton livre, page 71. Allez. Un peu d'attention. Page 71. 71. Prenez votre livre en page 71. Nous démarrons l'exercice. Il y a un jeu de la tomate, on va y jouer à la grille. Monsieur Swan, un petit peu d'attention, je vous prie. Monsieur Néo, avez-vous trouvé votre page? Monsieur Néo, je vous parle. Non, j'ai dit page 71. Si vous écoutiez au lieu de bavarder, vous trouveriez plus facilement. Non, 71. Ok, 20. Monsieur Swan, page 71. Oh, mais c'est pas vrai. Page 71 immédiatement. Soyez un peu attentifs, sinon je distribue des heures de colle. Attention, hein. Nous prenons le premier chapitre. Est-ce que vous êtes bien concentrés? Non, monsieur Swan, page 71, nous avons dit, c'est la page d'avant. Oh non, mais c'est pas possible. Page 71. Monsieur Swan, un petit peu d'attention, dépêchez-vous. Avant que je me fâche. Allez, page 71. Bon, tant pis pour vous, nous démarrons sans vous. Monsieur Néo, paragraphe numéro 1, veuillez nous faire la lecture, je vous prie. Allez, on vous écoute. Ça va, Swan? Ouais, ça va. Mais c'est inadmissible. Je vous ai dit de prendre votre paragraphe numéro 1. Mais c'est pas possible. Paragraphe numéro 1. Mais personne ne m'écoute, c'est impressionnant. Monsieur Swan, monsieur Néo, premier paragraphe. Deux heures de colle. Ah, bah cette fois-ci, vous m'avez écouté quand même. Et sinon, c'est toi. Je note les... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit 2 heures de colle. Ouais, pas mal. Est-ce que vous voulez 4 heures de colle à présent? Bon, on va peut-être se mettre au travail. Allez, nous avons dit chapitre 20. On n'écrit pas sur le livre. C'est inadmissible. 2 heures de colle supplémentaires. Donc ça fait 2 heures de colle pour Monsieur Néo. Et ça fait donc 2 heures de colle plus 2 heures de colle pour Monsieur Swan. Swan, là, t'as gagné des quotes, hein? Oui, vous viendrez en retenue mercredi prochain. Bien joué. Les enfants, j'ai besoin de toute votre attention. L'inspecteur va certainement vous interroger sur les tables de multiplication. Monsieur Néo, arrêtez de bailler tout de suite. Nous allons donc... Monsieur Swan, nous allons donc reprendre les tables de multiplication. Allez, je vous écris quelques-unes au tableau et vous les résolvez sur votre cahier. Mais nous embête avec ces tables, franchement. Ouais. Tu connais ces tables, Swan? Ça sert à rien, de toute façon. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Nous commençons par Monsieur Néo. 6 fois 7, Monsieur Néo. Bah, c'est évident, c'est 24. Pas du tout, monsieur Swan, est-ce que vous connaissez la réponse? 6 x 7. Ah oui, bah 42. Oui, très bien, monsieur Swan. Monsieur Néo, ligne suivante. 8 x 8. 46. Pas du tout, monsieur Swan, 8 x 8. Vous êtes censé les savoir par cœur. Pas du tout. Pas du tout, vous ne connaissez pas vos tables. Dernière chance, monsieur Néo, 9 x 4. 63. Monsieur Swan, 9 x 4. 36. Oui, c'est très bien.
Bon, les enfants, un petit peu de concentration quand même, l'inspecteur va arriver d'une minute à l'autre. 5 x 7, monsieur Léo. 53. Oh, pas du tout. Monsieur Swan, 5 x 7, essayez de relever un peu le niveau là. Mais 53? Mais c'est incroyable, vous ne connaissez pas du tout vos tables de multiplication. De toute façon, l'école c'est nul et on s'en fiche de votre cours. Jamais vu ça en 20 ans de carrière. Vraiment, mais c'est pas un peu des schtroumpfs. Ça suffit. Écoute, Léo, il est énervant cette prof. Hein. Alors là, trop, c'est trop. Ouais. Rappel, je suis d'accord. Elle est insupportable, c'est bon. Ouais, sérieux. Elle a mais je vais partir de son cours là. Paris. Je vous entends. Silence. Mais madame là, franchement, vous êtes beaucoup trop autoritaire. Je m'en fiche complètement de votre inspecteur. Mais y'en a marre, y'en a marre de cette autorité. Y'en a marre. Mais vous croyez où? Ça suffit! Ça suffit! Je n'ai pas vu votre comportement! Silence! Swan, vous l'avez quoi? Ce qu'il méritait! Bon, s'il vous plaît! Maintenant, silence! Restez à votre place, monsieur Léo! Sinon, je vous fais la même chose! Rassurez-vous, votre camarade va très bien! Très bien, faut dire vite! Regardez un peu, vous m'avez transformé! Mais madame, c'est un scandale là! Je vais plaindre à l'inspecteur! Non, mais c'est n'importe quoi! Mais regardez en quoi vous avez transformé mon pote, franchement. Comment ça, te plaindre à l'inspecteur? Je voudrais bien voir ça. C'est n'importe quoi, mais regardez, c'est un hamster maintenant. Et alors, il l'a mérité. Mais vous êtes folle, franchement. Pardon? Vous restez assis. Et voilà. Ah, mais... Enfin un petit peu de calme dans cette classe. Mais elle est complètement folle. Elle m'a transformé en escargot. Swan, comment on va faire maintenant? Pour l'instant, je me suis mis à l'abri. C'est pas possible. Si je bouge, elle me brille direct. Attends, je crois qu'on va s'en faire un, elle va pas me remarquer. Attends, je viens de tout faire. Enfin, un petit peu de calme dans cette salle de classe. Ouf. Ah, je vais pouvoir me remettre sur mes corrections, ok. Oh, mince. Déjà l'inspecteur. Oh, chut, 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 chut. Oh, mince. Non, j'ai pas le temps de les transformer. Oh, monsieur l'inspecteur, vous êtes déjà là. Vous êtes bien en avance. Bonjour madame Machin, inspecteur Lafouine. Bonjour. Vous êtes prête pour votre évaluation? Oui, oui, certainement, vous êtes un tout petit peu en avance. Où sont vos élèves? Mes élèves. Ah bah si, oui ça, mes élèves. Ils sont en récréation, les chers petits. Il faut bien qu'ils s'oxygènent. Ils sont en récréation. Ils seront là dans 10 minutes. Vous pouvez repasser. On doit commencer, madame Machin. Vous êtes en retard. 10 minutes. Je les appelle, monsieur Lafouine. Ils arrivent immédiatement. Ça commence vraiment très très mal, madame Machin. Bon, je reviens dans 10 minutes, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Oh là là, comment je vais faire? Ils sont où? Il est où le hamster? Il est où? Il est passé où? Je t'en trouve plus. Petit, reviens. Monsieur Swan, où êtes-vous? Monsieur Swan. Bon, monsieur Néo, vous êtes là, vous, c'est pas trop compliqué pour vous trouver. C'est pas rien, je suis là. Monsieur Swan. Merci Swan, j'ai envie de y aller. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est Swan. Ah c'est bon. Oui, on est tous les deux retransformés. Et maintenant on va s'occuper de la prof. Allez Swan. Ça a marché. On l'a trop bien cette baguette. Bah ouais. En tout cas, elle a eu ce qu'elle méritait. Ouais, c'est vrai ça. Bien fait pour elle. Bien dit. Madame Machin, ça va? Et voilà, elle a son bureau. Bah alors madame Machin, son voisin de colle. Salut, ça va? Alors vous voulez qu'on vous mette le bonnet d'âne maintenant? On est bien là-dedans, on est détendu, hein. C'est confortable. Alors madame, 6 fois 7, on vous écoute. Bonjour les enfants, inspecteur Lafouine. Où est votre enseignante? Bon, on sait pas. Elle s'est absentée. Oui, tous les jours, elle nous laisse comme ça. Mes pauvres enfants, c'est inadmissible, une enseignante pareille, vous avez bien du mérite. C'est de la supporter, hein. C'est assez compliqué, hein. Je ferai un rapport à l'académie, vous n'êtes pas prêt de la revoir. Oh yes, ah ouais. Au revoir madame Machin.